Je travaille en tant que consultant sur les systèmes d'information pour les grands comptes, plus exactement sur les technologies propriétaires. Et je suis notamment APUG1 et membre du club APUG Entrepreneur de Tunis. Donc le club entrepreneur de Tunis qui travaille essentiellement sur trois composantes principales, trois activités que sont donc à la fois donc le fait de faire venir des chefs d'entreprise et des créateurs d'entreprise pour pouvoir faire un témoignage de leur expérience en matière de création d'entreprise, en matière d'entrepreneuriat. Deuxième activité qui est celle qui consiste en fait à faire à l'étudier des cas de création d'entreprise pour voir comment ils ont opéré, comment s'est faite la stratégie de création d'entreprise. Donc c'est un point important sur lequel on travaille notamment. Troisième point qui est encore tout aussi important, qui est ce qu'on appelle le networking, ou le simple fait de mettre en relation, de mettre en collaboration des entrepreneurs qui sont motivés avec des investisseurs qui sont engagés dans la création d'entreprise et dans le fait de pousser de jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes à créer et à maintenir leur projet sur la durée. Alors, on pourrait essayer de parler des jeunes entrepreneurs. Quoi de mieux de parler des jeunes entrepreneurs que de revenir déjà sur les éditions précédentes, sur les 5 premières éditions, qui ont eu un retentissement assez intéressant et d'ailleurs inattendu de notre part, vu qu'on a eu énormément de participants à ces différentes journées, donc une participation de masse, avec la présence d'énormément d'entrepreneurs, des gens qui sont motivés, qui sont à la recherche d'un coaching de qualité, qui sont à la recherche d'un suivi de qualité, et essentiellement qui sont bientôt, bien sûr, bien évidemment, à la recherche d'investisseurs. Donc, pour les éditions précédentes, on a eu, donc, rien que pour commencer par revenir sur l'édition qui a eu lieu avec M. Tarak Lassadi, qui est le directeur général de Travel Toudou, qui a eu un très fort retentissement et un intérêt donc, assez important de la part des participants des derniers jeudis d'entrepreneurs, vu que M. Talapas a dit revenu donc sur comment les difficultés qui ont été rencontrées dans les années 2000 pour lancer donc une plateforme de e-commerce, donc une plateforme de e-tourisme, et de le décrire par la suite comment il a réussi tout simplement à trouver les financements nécessaires pour monter son projet. Donc c'était sous forme de témoignage. Nous avons eu notamment la présence du ministre de l'Emploi qui a participé, qui était l'invité d'un de nos jeudis de l'entrepreneur pour parler de tout ce qui relève de l'aspect de l'employabilité en Tunisie, le fait d'employer donc des personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur. Donc, on a eu 5 éditions extrêmement intéressantes vu la participation massive des personnes présentes. Mais pour cette 6e édition, donc la 6e avant la dernière édition, avant la saison estivale, nous avons opté pour une toute autre forme pour mettre en valeur donc le challenge adventure pour la création d'entreprise. Alors pour revenir sur le concours Adventure, c'est un concours qui a été mis en œuvre par le club APUG Entrepreneur à Paris, c'était en 2009, nous avons choisi donc pour cette édition des Jeux de l'Entrepreneur de présélectionner avec un jury donc hautement qualifié, un jury de qualité, de présélectionner des participants pour participer à une forme d'aisance, de communication, une épreuve de dextérité orale qu'on appelle l'elevator pitch. Alors, c'est quoi l'elevator pitch? C'est tout simplement le fait de s'imaginer qu'on est dans un ascenseur et que, avant d'arriver à l'étage qu'on a visé, c'est de faire tout son possible en un laps de temps court pour pouvoir exposer son projet, pour pouvoir le défendre devant un jury. Et voilà l'objectif même donc de notre prochaine édition des Jeux d'entrepreneurs. Donc une première partie, donc pour revenir, ça se décompose en 3 parties. Une première partie qui sera consacrée au concours Adventure. On va faire passer donc 5 projets qui ont été présélectionnés
et qui vont présenter donc, et défendre bec et ongles leur projet de création d'entreprise face à des investisseurs de qualité. Alors j'aimerais pour cela pouvoir en fait remercier nos sponsors et nos partenaires, pour vous les citer très rapidement. Tant que nous avons des entrepreneurs, nous avons la participation d'institutions bancaires, de fonds d'investissement, de business angels, de SICAR. Il y a à la fois donc, la présence de la BIAD, la présence de la TB, de Innovest, de Twininvest, d'Alternative Capital Partners. Nous avons notamment la participation des Tijal et SICAR et bien d'autres, de Diva SICAR notamment, qui sont là. Parce que le gros problème en fait, pour un entrepreneur, c'est lequel ? C'est de trouver tout simplement des investisseurs, des personnes qui sont motivées pour pousser le projet, pour que ce projet puisse arriver à sa fin. Nous avons réussi, donc, dans le cadre du Club Entrepreneur de la Bugie, nos partenaires, à réunir dans un espace restreint des personnes de qualité qui vont à la fois être à l'écoute de ces projets-là et pouvoir par la suite, pourquoi pas, les financer et les mener à bout, les mener à terme. Donc là, c'est la première partie. Donc la première partie, le concours Adventure et l'Elevator Pitch. La seconde partie, qui est le cœur même et l'objet des jeux d'entrepreneurs, à savoir donc, ce fameux speed dating entre entrepreneurs motivés et investisseurs engagés dans la création de projet. Donc on programmera avec les différents participants, on va programmer donc, des petites rencontres en tête à tête avec les investisseurs pour que l'entrepreneur puisse avoir le temps et le privilège d'avoir pour une durée plus ou moins longue d'exposer son projet, d'avoir vraiment ce soutien financier dont il a impérativement besoin. Donc ça c'est la deuxième partie, à savoir le speed dating. La troisième partie, c'est, alors il faut savoir que le but même des jeux de l'entrepreneur, c'est un after work. Donc c'est qu'à la fin, on puisse pouvoir dialoguer avec ses pairs, avec les investisseurs, avec des gens qui ont 10, 15 et 20 ans d'expérience professionnelle, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir échanger, de pouvoir travailler tout simplement sans network. Et ça se fait dans le cadre de la troisième partie des Jeux de l'entrepreneur, qui est un cocktail avec une ambiance relativement conviviale. Donc l'objectif de ces Jeux de l'entrepreneur, pardon, c'est donc, tout simplement d'œuvrer pour donc, l'entrepreneuriat, pour travailler cet esprit entrepreneurial qui existe chez nos jeunes. Et d'ailleurs, donc, pour donner plus d'informations sur les Jeux de l'entrepreneur, ça aura lieu le jeudi, donc c'est programmé pour le jeudi 30 juin 2011, de 18h à 20h, ça va se passer à l'ISCE, donc à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise, Auberge du Lac. Donc j'invite fortement les différents entrepreneurs et je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui sortent des écoles de commerce, l'IHEC, l'IEG, l'ESSEC, l'ESCA, etc., qui sont fortement très impliqués dans l'entrepreneuriat et je les invite à s'inscrire donc sur notre site internet, donc sur jeudi.wordpress.com, mais aussi sur notre page sur un réseau social qui est Facebook, donc en tapant directement les jeudis de l'entrepreneur et vous allez pouvoir tomber sur notre page. Vous allez pouvoir vous inscrire, trouver donc les vidéos, les photos, toutes les informations nécessaires pour pouvoir être présent au prochain Jeudi d'entrepreneur. Je voudrais profiter donc de ma présence ici, donc pour pouvoir tout simplement lancer un message fort, j'espère qu'il sera entendu par l'ensemble des personnes qui sont juste derrière leurs ordinateurs en ce moment. Et je voudrais vous dire, si toi, jeune entrepreneur, il y a un Steve Jobs qui est caché en toi, si tu as l'ambition de lancer le prochain Google, le prochain Ikea ou le prochain Yahoo, je t'invite tout simplement à venir, à faire preuve de présence lors de nos prochains Jeux d'entrepreneurs pour pouvoir à la fois trouver dans des personnes des témoignages d'entrepreneurs et de personnes qui ont monté des projets innovants et en même temps de frapper d'une pierre deux coups, entre guillemets, de trouver des investisseurs et des personnes qui seront prêtes à engager des fonds relativement importants pour monter ce projet.